Donc on va retourner faire des rushs dans The Beast Inside. Ce jeu horrifique qui a la prétention d'aller taquiner Resident Evil, ce qui est vraiment vraiment un peu abusé quand même, et qui est quand même pas mal foutu, il faut dire. Donc on va essayer d'avancer un petit peu plus loin, parce que pour l'instant, ça a démarré très très lentement. Je vous ai fait le premier épisode, vous allez voir, c'est un épisode où je ne fais que dire « Chérie, chérie, chérie ». Et c'est très drôle, puisqu'il n'y a absolument rien d'horrifique. Faut attendre le deuxième épisode des chroniques que je vous ai préparées pour que ça commence à saigner un petit peu et mettre le stress. Là, on en est au chapitre 5 ou 6, il me semble. Je vais lancer le bousin et on va retourner dedans. Alors, normalement, je vais avoir un petit setup à faire au démarrage, puisque monsieur arrête pas de me changer la résolution quand je le relance. Ce qui n'est pas fort sympathique, d'ailleurs. Puis, il va falloir que je baisse les retours aussi, parce que ça va pas le faire pour vous. Alors, apparemment, maintenant, le réglage son est propre. Je suis désolé pour les deux premiers volumes, où c'était un peu faiblard pour le jeu, je dois avouer. Désolé. Faute avouée, à demi pardonné. Poil au pied. Appuyons sur une touche. Plotch. What? How in the hell? Keys in a diary from over a century ago. Fucking hell, but it's impossible. I don't know how, but it worked. Maybe if I find the other pages from the diary, if those telegrams are ever going to be decoded, I have to take every chance. I'll notify David. This will blow his mind. I've made more progress than his entire team has in months. Alors, je rappelle pour les gens qui n'auraient pas suivi les premiers épisodes, donc rattrapage rapide, je suis avec ma chérie dans une jolie maison pour à la Combrousse pour se décontracter un petit peu. Et du coup, bah, on est en train d'emménager et moi derrière, j'ai quand même ma mission car je suis un petit peu un agent secret quelque part. Et donc, je dois gérer certaines choses du boulot. Et en plus, je découvre certaines choses bah, Il est beau cet appareil. Certaines choses bah, de l'endroit, notamment par rapport à mon père. Et il se trouve que j'ai de réguliers flashbacks qui m'emmènent dans d'autres aventures d'une autre époque où des choses très très glauques se sont passées. Je vous ai à peu près bien résumé la situation. Donc là, je vais essayer d'aller voir Chérie parce qu'elle me manque. Chérie! Je le fais tellement bien en plus. Mais avant tout, je vais trouver ce damné téléphone pour appeler mon collègue. Et éventuellement résoudre cette histoire d'agent secret. Where is the phone? The phone? Where is the phone? Ça sent le mécanisme caché, ce truc, pour plus tard. Comment ça, j'abuse? Pas du tout. Ce tiroir est trop beau pour ne pas être ouvert. Regardez-moi la magnificence de ce truc. Plop. À travers le tiroir. Oui, je suis comme ça, moi, maintenant. Je taille carrément le bois à coups de papier. C'est une nouvelle technique que les ébénistes m'envient. Ah bah, là, le Clark Nova. Oui, les gens culturationnés savent de quoi je parle. Oh, il est violent, ce tapis, quand même, hein. J'aurais dû amener mon tapis que j'avais chez moi dans mon petit appart avec mes cassettes de bowling. Parce que là, non. Non, non, non. Non, tu mets pas ça dans un vrai intérieur, quoi. How in the world did they track me down so quickly in this shithole? Fuck me. Maybe they did get Harold after all. Thankfully, I can check where they're tracking me from. If I'm not wrong, the detector should be in the office.
have explicitly denied those claims. However, according to the information gathered by the CIA, the Soviets have not only placed hundreds of sleeper agents throughout the U.S., but they have also gone with even the most unusual ideas to get valuable intel. Wiretaps planted inside pets like dogs and cats. Gigantic communications facilities like those in Cuba, codenamed Termit P and Termit S. Not to mention highly trained seducers lurking around our ambassadors. Oui, oui, le doute s'installe. À cause de ces tapis au motif tout à fait 70s, mais aussi parce que ma chérie ne serait-elle pas en train de me jouer un double jeu pour me doubler? Je pose la question. Parce que c'est bien de mettre des décolletés et d'avoir un fessier magnifique, mais la fourberie dans les histoires d'espions, c'est une longue histoire. Alors, il faudrait que j'essaye de trouver un micro. Et on va rejouer avec notre détecteur quantique. Tic tic tic. Oula. Plus tard. Trouvons donc ce... Pourquoi je peux pas m'en équiper? Où est mon détecteur? Where is my detector? I want my detector now. Voilà. Bon, il s'en équipera en temps voulu apparemment. Là, il a pas trop envie. Trouver le nuage quantique. Voudrais-tu bien prendre à la main cet appareil, mon bonhomme? Alors, c'est peut-être dehors. On va aller voir ça. Jesus, are you trying to kill me again? I don't want to sound hysterical, but I saw someone. What are you talking about? Someone's here, in front of the house. But maybe it's someone from the office? You know, about work? David would tell me! Son of a bitch, it's all so clear now. You don't think that... I do. They want to get us, so nothing would surprise me. A few days ago, someone was hanging around here, too. I caught a glimpse of him behind the trees. And you didn't think it was worth mentioning? It might as well have been my imagination. I didn't want to spread panic. We've got enough to worry about as it is. Fuck Emma! I don't work in a bakery. I work for fucking spies. It's not like we can just go to a mountain cabin and be safe. Stay in the house, lock the doors and windows. I'll take care of this. Même pas un petit bisou. On a oublié le bisou, chérie. Non, non, mais ça, je m'en fous. Je veux un bisou. Chérie, elle est déjà partie. Elle est rapide à décamper, quand même. Alors, du coup, il m'a zappé mon appareil, ce couillon. How strange. What? Non. Le dirigisme de ce jeu, on y revient. Bah oui, il est pas terrible. Le derrière de la maison, c'est par ici donc. Donc je rappelle que cet appareil me permet d'observer de la matière quantique qui flotterait dans l'air. Et là je vais pas du tout dans la bonne direction. Et donc
de pouvoir m'en approcher en la localisant et la neutraliser, voyez-vous. Froid, chaud, 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 bouillant là. Chaud, bouillant. Mais je fais que regarder le pourcentage en bas. The device has detected a signal. I just need to track the source. Alors j'arrive pas à localiser ce schmurtz. Ah, peut-être là. D'accord, donc en fait le petit trait qui est sur le bord de l'appareil, ça m'indique les sources que je dois neutraliser. Et quand il y en a plusieurs, c'est pour ça qu'il y a plusieurs traits. C'est ça qui me perturbait, je pigeais pas comment on alignait les trucs. Bastard is so confident that he approached the house to spy on us. Maybe if I can find more traces. Que dalle par ici. Je suis plutôt dans la bonne direction. Je tombais dans quoi, moi? Signal is very clear. Quantum cloud should be right around here.
coming together. I'm close to the source now. Oh, les jolies cabanes suspendues. Ne fais pas le coup du truc qu'on doit ouvrir et qu'on ne peut pas ouvrir parce que l'interface est moisie. Je serais très colère. Bon, je vais être très colère. Ouh, le vilain mur invisible. Here to the other side. I need to get over there. Attention, un petit tour, c'est offert par la maison. Dirigiste? Non, pas du tout. Oui, bah j'essaye avec style. Hein. First, I need to look around. Another quantum cloud may be nearby.
Oui, c'est le truc sur le... Mais je cherche à monter dessus, en fait. Et je ne trouve pas par où on aborde ce truc. Et le jeu a pas trop envie de m'aider. Salaud de jeu. Ça se paiera. Sache-le. Ok, faut que j'aille là, moi. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est pas gagné, comme on dit en langage technique. Hein. Pourquoi que des trucs casse-gueule à chaque fois? C'est pas très sympa. Got it all well organized. You won't lose me so easily, you bastard. Stop, hear me? Attends que je trouve une issue, bonhomme, déjà. Je sais même pas par où passer. Ah. J'arrive. Pourvu qu'il fuit doucement. Can't hide. There you are, fucker. You're not losing me so easily. C'est-à-dire que tout ceci pourrait être abrégé avec un simple Beretta. Vie de merde. Va faire tout noir, chérie. Chasing a spy through a cave. Fuck, what would have been a joke a week ago is not reality. Wait a minute. It's him.